Alors, merci à tous. On a, on a en effet travaillé dans le cadre d'un atelier, alors où on a créé à la fois ben, une vraie synergie, une vraie réflexion en commun, également beaucoup de frustration parce que, au final, ben, beaucoup de questions qui auraient voulu être posées auraient pu être posées ne l'ont pas été. Mais on est parti, je dirais, d'un constat alarmant. Vous savez qu'aujourd'hui à l'université de Corté, il y a un amphithéâtre qui s'appelle Aquaviva. C'est le nom d'un plastiqueur du FLNC. Comment est-ce qu'on en est arrivé là Il n'est pas plastiqueur à ses heures libres. Hein. Non, non, on a donné son, son nom à l'amphithéâtre parce qu'il était plastiqueur du FLNC. Il y a deux ans, une collectivité territoriale de la République a mis en berne ses drapeaux en l'honneur de l'assassin d'un préfet. Comment est-ce que nous en sommes arrivés là Le maire de Saint-Jean-de-Luz, il y a quelques années, a refusé qu'on décroche le drapeau français du fronton de sa mairie. Et il a été lynché pour ça. Comment en sommes-nous arrivés là il y a deux ans, le Conseil régional de Bretagne a, établi, a, a reconnu un hymne comme hymne officiel qui a été rédigé par un auteur antisémite. Et pas de manière, j'ai vu qu'il y avait peut-être plusieurs définitions ces derniers temps de l'antisémitisme, il y aura un antisémitisme acceptable, l'autre non, outre le fait qu'aucun antisémitisme n'est acceptable, lui était clairement, évidemment antisémite, et l'hymne en question est un hymne à l'indépendance de la Bretagne. Comment est-ce qu'on en est arrivé là on en est arrivé là en confondant plusieurs choses, en négligeant ce que c'était l'indivisibilité de la République, parce que le premier constat qu'on a fait dans cet atelier, avec notamment les présentations de Michel Selig et de Michel Verger-Franceschi, eh c'est qu'on avait une confusion aujourd'hui entre eh bien, ce qu'on peut appeler les petites patries. C'est-à-dire des cultures locales qui ont évidemment le droit d'exister et qu'on a le devoir de défendre. La décentralisation, qui n'est jamais que la démocratisation des politiques publiques, et de l'autre côté, une idéologie ethno-régionaliste, en règle générale créée dans les années 20, qui a pour but de déconstruire les valeurs de la République, souvent venant de l'extrême droite, et qui peu à peu, grâce à des subventions souvent venues de Paris, grâce également eh bien, à une reprise et à une naïveté du personnel politique local, est devenue la version officielle, la définition de ce que sont nos régions. Et on est rentré dans une concurrence identitaire. Aujourd'hui, si jamais vous discutez avec certains élus alsaciens, ils vous diront bah ⁇ Moi, je veux un statut à la Corse ⁇ statut créé pour une île montagne, ce qui définit assez bien l'Alsace. Et si vous parlez à des élus corses, ils vous disent ⁇ Moi, je veux un statut à la néo-calédonienne ⁇ Je rappelle que la Nouvelle-Calédonie a un statut colonial en droit. Donc les Corses veulent devenir une colonie, les Alsaciens veulent devenir une île et les Bretons veulent devenir l'Alsace parce qu'ils font des, des visites pour se demander combien la collectivité européenne d'Alsace pourrait être un modèle pour la Bretagne. Tout ça parce qu'en fait, eh bien, il faut atteindre le plus grand degré d'autonomie pour se distinguer, pour eh bien, exister à part dans une communauté républicaine. De l'autre côté, vous avez un régionalisme qui n'est pas le fait, bah, qui, ne se rend, qui ne renvoie pas au vieillolisme, autrement dit, à une culture nationale ou internationale qui rentrerait dans, des, euh, dans un village où tout d'un coup on cesserait de parler la langue, etc. En réalité, ce sont souvent des jeunes urbains qui se demandent bah, moi, d'un point de vue nihiliste, on est quelque part entre le nihilisme nietzschéen et les identités narratives de Paul Ricoeur. Moi, petit individu esselé dans une société, dans une mondialisation qui m'écrase, eh bien, je dois. Définir quelle est mon identité parce que dans une série Netflix, il n'y a que des gens qui ont une caractéristique. Ceux qui n'en ont pas, ben, ne sont que des figurants. Et donc, si je ne peux pas me rattacher à une religion, à l'origine de mes parents, eh bien, je suis breton, je suis catalan, je suis corse, etc. Ce phénomène-là, on le retrouve évidemment dans nos régions, mais on ne le retrouve pas que dans nos régions. On le retrouve également dans nos banlieues. On le retrouve en fait dans toute la société, cette atomisation de la société, eh bien, et c'est la deuxième partie de la table ronde que nous avons eue notamment avec Mario Stasi, avec Shannon Seban, avec également Gilles Clavreul, eh bien, euh, elle renvoie également à l'indivisibilité. L'indivisibilité, ce n'est pas uniquement l'indivisibilité du territoire. L'indivisibilité, c'est l'indivisibilité d'une nation qui est une nation de citoyens. Et cette nation de citoyens eh bien, tend à l'universalisme. L'universalisme n'est pas quelque chose d'abstrait, l'universalisme, c'est justement ce qui fait que la nation ne reconnaît que des citoyens et je reviens à la conférence inaugurale que Jean Michel a eu la gentillesse de citer une nation qui émancipe ses citoyens, qui ne leur interdit pas de parler une langue, qui ne leur interdit pas eh bien, de potentiellement garder une culture, garder une religion, mais simplement qui leur donne les outils critiques pour s'en émanciper et qui produit une identité républicaine suffisante pour qu'ils n'aient pas à rechercher un rôle à part, une singularité à part qui les mettrait, par définition, par principe, eh bien, en rupture avec la République pour justement ne pas en être partis. Cette bataille pour l'indivisibilité, c'est une bataille pour l'universalisme et, in fine, c'est une bataille nécessaire parce que la République sans universalisme, c'est certes des institutions, mais ça cesse d'être un fait de société, ça cesse d'être un fait qui structure aujourd'hui nos imaginaires et notre façon de concevoir notre vie politique. Et évidemment, c'est une capitulation collective contre laquelle aujourd'hui, hier et avant-hier, nous nous sommes tous réunis pour lutter. Merci à vous.